Ok, bonjour et bienvenue, c'est Petit Shinodense et on se retrouve pour la suite du Let's Build Steampunk. Et donc, la dernière fois, on avait fait toute cette façade, en tout cas une partie de cette façade. Il faut savoir que j'étais continué en post-production, on va dire, en off. Comme vous pouvez le constater, bien entendu, j'ai fait des choses qui sont pas très intéressantes, comme les patterns, ce genre de choses. Mais je vais venir vous en parler tout de suite, comme ça vous allez pouvoir savoir un peu ce que... s'il y a eu des difficultés particulières, mais du coup il n'y en a pas vraiment eu, du coup je vous en parlerai très brièvement. En tout cas, aujourd'hui on va venir s'attaquer, on va continuer ce qu'on faisait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire les extensions et tout. Et donc, ce que j'ai fait en off, en fait, c'est tout simplement les patterns du bas, du milieu, et sur le côté là, je les ai commencés. Du coup là, la base que j'ai fait, au lieu de la faire avec un seul bloc, comme ici, je l'ai utilisé en fait deux escaliers que j'ai passé, un comme ça, pour faire la base. Voilà, tout simplement, c'est un truc très simple. Et ensuite, j'ai mis toute la structure pour le faux petit toit. Et derrière, là, vous voyez qu'il y a quand même un bloc noir, histoire de faire un trompe-l'œil, faire croire qu'il y a l'intérieur. Ça, c'est une très bonne technique quand vous ne faites pas l'intérieur. Je vous recommande vivement d'au moins obstruer les fenêtres, histoire qu'on voit pas l'intérieur, parce que c'est vrai que ça a tendance à, par exemple si vous faites des traveling, ça a tendance à, bah voyez là par exemple si je fais un traveling, là ça va, mon œil va être attiré par la fenêtre parce qu'il y a du mouvement derrière, du coup alors que là il y aura pas de mouvement derrière, vous voyez ce que je veux dire, enfin bon bref. du coup on continue ce qu'on était en train de faire, et je pensais ici mettre une extension toute petite. Alors ici c'est normal qu'il y ait un trou, hein, vous inquiétez pas. Mais donc ouais, je pensais mettre une extension ici, pas vraiment une grosse extension, une toute petite extension par exemple comme ça. Ou non, on va la faire un peu plus travailler. On va la faire peut-être même plus grosse. On va la faire ouais, à mi-hauteur, 1, 2, ouais, 1, 2, 3, et on va la faire aller jusqu'ici. Ok, du coup là on aura donc une petite extension, on va mettre 1, 2, 3, 3 de hauteur. Voilà, ça peut être intéressant. Tu vois, une sorte de local technique. Du coup, ouais, ici on aurait donc une structure qui tiendrait tout le... Je vais peut-être la faire plus haute. Vous voyez, genre jusque là. Genre un cran plus haut, hein, mais ça peut se jouer à un cran. Du coup, tu vois, là, tu vois, je le fais un cran plus haut. Normalement, ça devrait être plus intéressant, histoire que ça soit un poil plus allongé. Et ensuite, je vais faire un toit. Un toit qui va se relier directement ici. Et je pense que je vais faire un toit, limite tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire un toit comme ça. Un toit vraiment tout con. C'est-à-dire que... ouais, c'est un petit toit tranquille. Donc en revanche, il va falloir retirer certaines pièces, on va dire. Voilà. Alors, il y a juste une chauve-souris qui me casse les... Je sais pas, elle est où, mais elle m'énerve. Elle m'énerve très fortement. Bon, bref. Quoique, ce toit, je suis peut-être pas forcément... Je suis peut-être pas forcément fan du fait que... Elle m'énerve vraiment cette chauve-souris. Du fait que... ça soit décalé. C'est toi qui fais du bruit là? C'est toi qui fais du bruit? Ça rend très chiant les chauves-souris. Non, alors ce que je voulais faire. En fait, le problème c'est que si par exemple vous avez vu le toit, ça va pas bien le faire. Désolé, je veux dire le son, ça m'énerve trop la chauve-souris. Du coup, ouais, le problème c'est que le toit là, ça va pas bien le faire puisque vous avez vu que si je le fais à 45 degrés, ça va pas être super intéressant. Du coup, je pense que. C'est du impair, c'est bien ça déjà, c'est une bonne chose.
On va voir si un toit dans ce sens peut être intéressant. Alors, le toit dans ce sens, on va voir à peu près ce que ça pourrait donner. Du coup, on aurait un toit qui en soi serait, s'il te plaît, voilà, merci, serait comme ça. Donc, on aurait notre toit comme ceci. Hop, ça descend ici. Alors là, je le fais plein, mais vous inquiétez pas, je vais le retravailler après. C'est juste histoire d'avoir rapidement une idée sur quoi je pars. Parce que le problème, c'est que bah, si je commence à travailler un toit, à bien travailler le toit, et que finalement, ça me déplaît le positionnement, il va falloir que je le détruise. Donc je vais perdre du temps. C'est pour ça que je fais un truc plutôt juste en tant que visuel. Voir à peu près à ce que ça pourrait donner. En l'occurrence, le concept est intéressant, mais j'ai un problème. Je trouve que cette extension. Tu vois, j'aime bien le placement de l'extension, c'est vraiment. T'as l'impression que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là, bordel? Mais j'ai un problème au niveau de cette extension, je la trouve un petit peu trop large personnellement. Du coup, ma première idée va être appliquée. C'est-à-dire ma première idée qui était non pas de joindre vous voyez, non pas de joindre sur ce poteau-ci, mais sur ce poteau-ci. Du coup, on aurait une extension de 3 et non pas de 5. Et en soi, c'était ma première idée. Enfin, c'était sur quoi à l'origine je voulais partir. Finalement, j'ai eu un doute, du coup je ne l'ai pas fait, mais finalement, effectivement, je trouve que c'est plus intéressant de partir directement sur des extensions peut-être un peu plus fines, mais qui ont l'air, donc vu qu'elles sont un peu plus fines, elles ont l'air un peu moins massives, forcément, et ça permet tout simplement d'éviter trop de complications. Ouais. Du coup, là on aurait donc une extension. Là au niveau de l'extension, vous voyez, pour la base, je vais pas le mettre dans ce sens. Parce que dans ce sens en dessous, vous voyez, j'ai déjà deux équerres qui sont dans ce sens. Du coup, je trouve que ça le rend pas bien tout simplement. Donc on va le mettre dans l'autre sens. Donc sur cette façade-ci, ça sera visible l'équerre. Ce qui va permettre d'éviter que sur l'autre façade on voit tout le temps des triangles de partout. Et sur celle-ci, ça va pouvoir changer un peu et donner un aspect peut-être différent. Voilà, c'est problématique ça. Du coup, vu qu'il y a un décalage qui se produit, il n'y a pas de problème. Je vais juste me décaler moi-même par rapport à la structure. Donc me placer comme ça. Tu vois, du moment que ça peut potentiellement tenir, il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà. Tu vois, on est un cran décalé. Du coup, j'ai quand même un soutien sur cette extension. Et au-dessus, tiens, tu vois, ici par exemple, ce qu'on va mettre, on va mettre une extension. Genre un petit balcon. Un tout petit balcon. Le balcon, il se verra pas. Il se verra pas beaucoup en soi. Mais il devrait bien le rendre. Du moins, j'espère. Normalement, ouais, ça devrait bien le rendre. Il ne devrait pas y avoir de problème plus que ça, du moins, j'espère. Voilà. Alors, je mets des enclumes pour voir à peu près rapidement ce que ça donne. Enclumes. Voilà. Donc là, on aurait une extension, une sorte de local technique. Même ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, c'est ce que je viens d'y penser, c'est au lieu de faire un toit pointu comme ça, je sais pas si vous vous en rappelez, mais on avait travaillé sur la première fois sur du steampunk, on avait travaillé sur des toits différents. C'est-à-dire, on avait travaillé sur des toits qui, en soi, 1, 2, 3, étaient orientés. C'est-à-dire qu'on va le faire comme ça. Ça sera plus intéressant parce qu'en fait on va se prolonger
On va se prolonger dans. Vous voyez, si on fait un toit penché ici, comme ceci, on va se prolonger dans le toit qui est au-dessus. Et du coup, je trouve que ça peut être en soi très intéressant. C'est toi qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Je déteste les chauves-souris. C'est tellement chiant à tuer, mon gars. Voilà. Du coup, je peux remettre le son. Voilà. Ok, donc vous voyez. Oh merde, qui c'est? Mais je déteste les chauves-souris, ça fait un bruit. Mais un boucan, mais c'est pas possible de faire autant de boucans, quoi. Chut! Voilà. Du coup. Alors, du coup, ouais. En fait, on aurait un prolongement du toit et je trouve que ça peut être vraiment très intéressant de prolonger ce toit. Ce qui va permettre, en fait, tout simplement... Ce qui va permettre tout simplement de... Ouais. Bah donc de prolonger ce toit, d'avoir une unité en fait au niveau du toit tout simplement. Du coup en fait j'étais en train de chercher mon mot, mais vu qu'il y a un enfoiré, une satanée bestiole qui m'emmerde, ça m'énerve. Et j'arrive pas à réfléchir convenablement. Et là limite on va prendre des slabs pour histoire de faire un arrondi, tu vois, une sorte d'arc de cercle. Je pense que ça peut être intéressant de faire justement cette espèce d'arc de cercle. Voilà, hop. Du coup, on serait là et là. Tu vois, on va avoir donc un toit ici qui sera plus... Il faudrait que je le remonte un cran. Voilà. Comme ceci. Ici aussi. Voilà. Comme ça, j'ai plus cet aspect arrondi. Et donc, c'est bon. Alors, j'ai un aspect qui grossit un peu. Mais en soi, c'est pas trop problématique. Non, en soi, c'est pas problématique. Du coup, je vais remonter celui-là, ici. Pour servir de base au toit, hein, tout simplement. Et je vais commencer à travailler sur la descente. Alors, il faut savoir que là, il n'y aura pas de changement. Là non plus, il n'y aura pas de changement, parce que je suis le prolongement du toit au-dessus. Hein. Ici non plus, alors. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici non plus. Et c'est à partir d'ici qu'on va avoir une descente progressive. Tu vois, on aurait donc notre extension ici avec le toit qu'il faut que je fasse. 1, 2, non, décalé bien entendu. Décalé. Bon alors là, bien entendu. Là, vu que c'est un bon gros foutoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, méthode cache-misère, parce que vu que c'est une extension un peu paumée, il me paraît quand même compliqué, 1, 2, 3, ça me paraît quand même compliqué de bien le faire. Mais du coup, vous voyez, on est dans le prolongement du toit qui est au-dessus. Et donc, c'est assez intéressant en soi, je trouve, de faire ça comme ça, tout simplement. Voilà, ici. Comme ça, on va avoir un petit mouvement en dessous qui va faire en sorte que ça ne paraisse pas plein. Et juste là, voilà, une petite descente, un petit décalage à la fin. Histoire de rappeler le fait qu'on est quand même décalé sur toute cette partie. Là, on revient normal et ensuite, on se redécale. Tu vois? Parce que là, on redevient normal parce que c'est droit. Du coup, ça paraît compliqué de décaler quelque chose qui est droit. Enfin, ça le ferait moins bien. Et ensuite, on se redécale parce qu'on a un nouvel arrondi. Donc, c'est intéressant en soi. En dessous, je vais mettre bien entendu des... Voilà, histoire de justifier qu'il y a un soutien, quoi. Et bien entendu, derrière... On va mettre notre matériau en fond, c'est-à-dire la brique. Et tu vois que là, on devrait avoir vraiment quelque chose de très intéressant, je pense.
au niveau du rendu visuel ici. Et je trouve que, ouais, tu vois, c'est vachement intéressant. On a toujours cette continuité, comme je vous l'ai dit, en mode Clock Tower, que je trouve vraiment qui donne un côté vraiment très intéressant. Et oui, on est dans l'intéressant aujourd'hui. Qui donne un côté vraiment sympa, si tu veux. Et à côté, on a cette sorte de local technique qui permet en fait si on pousse dans le RP, mon gars, qui permet en fait au gars de la maintenance d'entreposer tous leurs outils, si tu veux. Donc alors, soit ici je mets un soutien au toit, mais non, on va pas mettre de soutien au toit parce que c'est dégueulasse. Du coup, on va le laisser comme ça. Je vais quand même mettre mon pattern pour la fenêtre, comme d'habitude. Parce que maintenant, c'est limite devenu une habitude maintenant de faire ton pattern pour la fenêtre. Du coup, c'est toujours le même, hein. Il n'y a pas de changement au niveau de ce pattern. Alors en soi, il n'y a pas besoin de changer un pattern tous les 36 000. Puisque au final, si vous avez bien travaillé votre maison, au niveau de la forme, vous allez quand même. Ça vous permet quand même de donner cet aspect unitaire. Tu vois, tu as l'impression que c'est bien une seule et même construction. Du coup, il n'y a pas de problème. Mais en revanche. Ouais, si tu commences à mettre des patterns dans tous les sens. Mais putain, mais god damn it, mets-toi dans le bon sens, voilà. C'est pas possible ça. Trois fois que je pue dessus, il me le met à l'envers, ça m'énerve. Voilà. Du coup. Ouais, franchement j'aime bien. Personnellement j'aime bien. Il faudrait juste peut-être ajouter une cheminée. Une cheminée. Alors la cheminée en soi, soit je la mets de ce côté. C'est-à-dire au même endroit. Mince. Au même endroit que là où il y aura la porte. D'ailleurs, je vais la faire tout de suite, la porte. Et je vais faire aussi la base de mon extension. Hein. Qui est en cobblestone. Donc ouais, là on a notre extension. On va juste mettre des escaliers ici. Voilà. Et des non, pas du tout. Donc là, on aurait un petit balcon, comme ça on pourrait admirer la vue, dire waouh, c'est magnifique. Regarde Roger, comment on sent le vent dans les cheveux des gens. Et oui. Du coup, là, on aurait donc notre extension ici. Là, je vais faire ça encore une fois, je pense. Devant aussi. Voilà. Le problème étant sur le côté, mais ça dérange pas plus que ça. Du coup, ça fait quand même une maison qui va être plus massif. Tu vois, tu vas sentir un peu plus pesante sur le milieu, tout simplement. Et tiens, ici, par exemple, tu vois, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des coins. Voilà. Donc, la porte, bien entendu. La porte ici est... On va refermer. Et je pense qu'on peut même laisser ça comme ça. Du coup, la cheminée, on va la mettre au-dessus. Et je pense qu'on va la faire... Ouais, je pense qu'on va la faire relativement simple en soi. C'est-à-dire que je vais pas faire une cheminée comme les tuyaux. Je vais faire une cheminée plutôt juste avec un mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être un peu trop grande. Donc ouais, on va faire une cheminée comme ça. Ça donnera un mouvement. Et je pense que ça peut être intéressant. Du coup, on va prendre juste de la... Je vais pas encore placer l'étoile d'araignée, puisque je ne sais pas encore comment je vais orienter
au niveau du RP venteux. Je sais pas encore comment je vais le placer, du coup je préfère pas encore m'avancer trop dessus, mais ça me paraît intéressant. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être rajouter des tuyaux, mais au pire ça on va peut-être le faire à la fin. Ou non, sur cette façade je peux déjà le faire vu que la façade est terminée, je pense. J'ai pas prévu de mettre plus d'extensions que ça sur cette façade. Du coup, ouais, on peut se permettre de mettre des tuyaux directement sur cette façade. Et donc, par exemple, on pourrait considérer... Tiens, j'ai pas fait le pattern qui est là, d'ailleurs. Tiens, j'ai peut-être une raison pour laquelle je l'ai pas fait. Du coup, on pourrait considérer, par exemple, que... Ici, j'ai un tuyau qui sort et qui rentre là. C'est-à-dire que, hop, je le pète le coude. J'ai un tuyau qui rentre ici et qui rentre là. Comme ça, j'ai un pattern au moins à faire, tu vois, c'est pas mal. Et ça me fait un petit côté RP en plus. Enfin, RP, pas du tout, mais un petit côté, je sais pas. Je sais pas en fait ce que je veux dire. Mais ça me le fait en plus. Non, en fait, ça me donne un côté steampunk un peu plus accentué. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour une question de RP, vu que Minecraft est quand même pas mal fait, on va juste mettre de l'eau dedans. Pour avoir, voilà, ça, ces petites fuites d'eau. Je trouve ça vraiment trop cool. Ça permet, tu vois, de donner une ambiance accentuée. Genre, tu passes comme ça, il y a des fuites d'eau, tu fais « what the fuck ?» Donc du coup, tu justifies un peu genre un tuyau. Et je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est tout. Puis t'as aussi le son. En revanche, pour les tuyaux, je suis pas trop le RP, parce que si je commence à les mettre à l'intérieur, vous avez la taille d'un tuyau, ça vous fait des pièces entières. Et du coup, si vous faites des pièces entières, ça commence rapidement à être un beau gros bordel. Alors cette partie, je suis pas très fan. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, on a deux équerres de chaque côté, on a l'impression que c'est complètement symétrique. Et du coup, je suis pas fan du tout de cette partie. Par conséquent, ce qu'on pourrait imaginer, c'est par exemple, ça, j'ai une idée. On va essayer un truc, ça va être, on va faire ça comme ça. On va prendre ça, on va le mettre là. On va le relier ici. Voilà. On va dire que ce que je viens de placer, c'est ce qui permet un soutien au balcon. Bien que le balcon en soi, je pense qu'il est... Non, en soi, non, le balcon ne tient pas. Voilà. Donc ouais, là, on a donc fait une sorte de soutien, cordage au balcon. Comme ça, j'ai pu péter le truc en dessous. Et donc pas avoir ce côté hyper symétrique que j'aime pas du tout. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Du coup, on pourrait considérer... Je pense que... Vous voyez, je veux mettre un moulin à vent, vous en doutez forcément. Et je pense que... On peut pas le mettre n'importe où. C'est-à-dire que si je le mets sur ce côté-là, si je le mets sur cette façade-là, ça va faire bizarre d'avoir une horloge et un moulin à vent dans le même endroit. Alors que si je le mets sur cette façade là, ça peut être peut-être plus intéressant. En plus, ça va allonger la structure, du coup. Du coup, ouais, ça peut être peut-être plus intéressant, je pense. Ouais. Le problème étant, c'est que on va pas pouvoir s'en occuper tout de suite. Parce qu'on n'a pas vraiment de temps au niveau timing. Du coup, on réserve ça pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus, à bientôt. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, salut!